ce sont les travailleurs du secteur informel. Installés à leur propre compte, ils ne sont pas déclarés dans les fichiers de l'État. Selon eux, c'est ce qui justifie le fait qu'ils se mettent toujours en marge de la fête du travail qu'ils considèrent comme étant celle des fonctionnaires. Les fonctionnaires, là, c'est eux que ça intéresse. C'est eux qui doivent voir comment la fête. Par exemple, on se débrouille pour nous, là. Si ils vendent, ils vont vendre. Si ils ne veulent pas vendre aussi, ils vont dormir. Donc, nous, on se débrouille, là, pour nous, là. Il n'y a pas à faire de dire non. Comme c'est la fête de travail, non. De toute façon, je vais aller faire la messe. Après la messe, je vais venir vendre mes fruits. Ces travailleurs sont pour la plupart des réparateurs, restaurateurs, gérants de kiosques, vendeurs de viande braisée appelés communément choukouya, vendeurs de portables, gérants de cabines, petits cireurs et autres. Pour certains, pas besoin de se donner un jour de repos le 1er mai. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Je fais moi-même mon entreprise un peu. Parce que je travaille, il faut que je bénéficie de mon travail. Cette fois-ci, c'est un jour ouvrable et on nous dit que c'est férié. En tout cas, pour moi, la fête du travail n'est pas trop important pour moi. Fête de travail ou pas, les acteurs du secteur informel sont toujours à la tâche avec pour objectif principal augmenter leur chiffre d'affaires.